www.libradio.org. La station debout. Nous sommes le mardi 7 avril. Bonjour Béatrice Graff et bonjour Raphaël Ortiz. Bonjour. Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de la Fédération Genevoise des musiques de création, qui est une fédération toute nouvellement créée, puisqu'elle date de fin 2019, si je ne me trompe pas, dont on va immédiatement donner le site internet. Et vous êtes également présent, si je ne me trompe pas, sur les réseaux sociaux et notamment Facebook. Alors, le site internet, c'est www.musique au pluriel, donc musique de création, trait d'union, ge.ch. Et la page Facebook, eh bien, il suffit de noter Fédération Genevoise des musiques de création et on tombe dessus. C'est bien cela ? Oui. Parfaitement, ouais. Très bien. Alors, voudriez-vous, pour commencer, vous présenter un petit peu à l'aune de cette fédération, qu'est-ce que vous y faites ? Et ensuite, la deuxième partie, ce serait pourquoi une fédération, une telle fédération ? Alors, la fédération s'est créée fin novembre 2019 pour répondre à un manque. Donc, les musiciens et les musiciens de création sont des gens de nature en général excessivement individualistes. Et là, on a réalisé que vraiment la situation devenait très tendue pour tous les professionnels que nous sommes. Donc, c'est une fédération qui regroupe les professionnels de la musique de création. C'est-à-dire qu'on fasse des hommes de l'improvisation, de la pop, du rock. De la musique baroque revisitée, enfin acoustique ou électronique ou du hip-hop, mais quand on vit ça, donc on peut entrer dans la Fédération Genevoise des musiques de création. Donc il y avait un gros manque. On est là pour défendre notre existence, pour défendre aussi notre force de proposition. On est déjà plus d'une centaine de membres actifs. Il y a aussi des personnes morales qui peuvent devenir membres de la fédération. Ces personnes sont généralement des structures qui soutiennent les activités ou principalement les activités des musiciens professionnels de création sur le canton de Genève et environ. Mais disons que c'est vraiment centré sur Genève. Très bien. Et tu en es la présidente du comité. Exactement, j'en suis la présidente. Il y a aussi des personnes morales. Les personnes morales sont des gens qui soutiennent donc les buts de notre fédération. Très bien. Alors, on va passer à Raphaël. Bonjour à toi, Raphaël. Voudrais-tu également te présenter à l'aune de la fédération ? Alors, Raphaël Ortiz, moi, je suis un des membres de la fédération et membre du comité. Je suis musicien actif dans les musiques de création et comme l'a décrit Béa, eh bien voilà, j'ai différentes activités, différents groupes, différentes idées voilà, c'est tout. Oui, très bien. Parfait. Et alors voilà, la première des choses dont voilà, j'aimerais vous questionner, eh bien, c'est sur les objectifs très concret de cette fédération, en citant notamment le manifeste qui est à disposition sur le site internet, qui comporte quelques objectifs justement. Alors, voudriez-vous nous dire un petit peu quels en sont les objectifs très concrètement ? Voilà, alors on peut le trouver sur notre site internet, tout simplement à l'adresse que tu as mentionnée au début de cette discussion, sous la rubrique Action manifeste. Et on tombe donc sur quelques points qui sont les objectifs que s'est fixé la fédération. Donc on est centré sur la réflexion sur l'équilibre patrimoine et création locale, à savoir que il y a un terreau local sur le canton de Genève qui est important, qu'il faut nourrir. Et le nourrir, ça veut dire nourrir les idées et permettre aux musiciens et aux musiciennes de création de créer et d'avoir des nouvelles idées et d'avancer. Un deuxième point traite des fonds ponctuels d'aide à la création et à la diffusion. Sur le canton de Genève, au niveau des subventions, notre activité est liée assez étroitement et prioritairement à un fonds, une partie de la subvention de la ville et du canton, qui s'appelle le fonds ponctuel d'aide à la création. Et on s'y intéresse parce que c'est grâce à celui-là que ponctuellement on peut aider des musiciennes et des musiciens à avoir de l'argent pour créer, pour avoir des nouvelles idées. Un troisième point,
c'est que chaque structure soutenue par des fonds publics respecte une proportion de programmation locale. Donc, bien évidemment, pour nourrir ce terreau local, il faut aussi lui donner les moyens de s'exprimer, donc des moyens pour créer, mais des moyens aussi de se rendre visible. Ça, c'est le quatrième point. Un cinquième point, lorsque les collectivités publiques engagent des musiciennes et des musiciens professionnels lors de manifestations, elles respectent des normes comparables à celles de l'USDAM. Donc, il y a, c'est vrai que quand on parle de revenus, quand on parle de rémunération, quand on parle de salaire, quand on parle de normes salariales, eh bien, ce qui existe de plus, on va dire, de plus étoffé, ce sont des normes de l'USDAM, donc de l'Union suisse des musiciens, et puis qui ont donc édicté des syndicalement des minima, en tout cas des critères de rémunération pour les musiciennes et les musiciens. Donc on essaye d'y faire référence. Un des derniers points, juste oui. Comme ça je le cite, que les associations soutenant activement les projets des musiciens locaux soient correctement dotées. De nouveau, on parle du terreau local, on parle de quelque chose qui est lié au canton de Genève, et pour faire la promotion des musiques de création. Je te remercie. Alors voilà, là on a bien compris quels sont vos points, vos centralités. Alors maintenant, qui sont vos interlocutrices et vos interlocuteurs ? Alors disons qu'on va à la rencontre à la fois des services culturels, des collectivités publiques, pour déjà analyser un peu les chiffres. On a quand même vu qu'il y avait une grosse disparité entre les dotations. C'est-à-dire que moi, ça fait quand même pas mal d'années que je fais de la politique culturelle, et il y a environ une dizaine d'années, au sein du RAC, j'étais donc une des représentantes du groupe musique, et on a vu que les musiques actuelles, la dotation musique actuelle ou musique de création, il y a une petite nuance hein, pour nous, la musique contemporaine ou de création, c'est de la musique de création. Ben, c'est vrai que dans les budgets, c'est soit le classique contemporain qui est dans une case, soit ils mettent un espèce de gros paquet qui s'appelle musique actuelle. Donc, on a vu qu'il y avait de moins en moins de fonds à disposition des artistes eux-mêmes. Il y a une grande partie de ce fonds qui s'est retrouvé alloué à soutien des manifestations culturelles, donc ce qui est très bien. Mais simplement, nous, on est là, on existe. Ça fait 40 ans qu'il y a un master qui est donné en jazz en Suisse, 14 ans pour les musiques actuelles. 90% de la musique qui est écoutée, ce sont des musiques actuelles ou de création. Et il y a à peu près plus de 80% du budget qui est alloué au patrimoine, c'est-à-dire aux interprètes de musique classique, par exemple. Donc nous sommes là pour dire il faut revoir cet équilibre. Il faut, donc c'est un groupe de pression, en fait, on appelle ça comme ça. On va à la rencontre aussi des partis politiques, en particulier de leur sous-groupe culture. On a déjà rencontré le Parti socialiste, mais on va continuer cette petite tournée des groupes politiques une fois que le Covid sera passé. Et c'est vraiment dire, on est là, on existe, on est pro. Malgré le fait qu'on tourne 100-120 concerts par an partout sur la planète, qu'on fasse rayonner le long de Genève et tout, on a toutes les peines du monde à boucher les fins de mois et c'est pas normal. Alors on va revenir là-dessus bien entendu, mais voudrais-tu s'il te plaît, pour les personnes qui vont nous écouter, préciser qu'est-ce qu'on entend par musique de création ? Alors, que ça recouvre ? Bah alors c'est l'acte de création, donc il y a des personnes qui ne font qu'interpréter. Alors, on peut passer toute sa vie à interpréter, soit des partitions classiques, soit même des partitions, faire des reprises de rock'n'roll, ou alors en tant que DJ, faire tourner que des plaques déjà existantes. Et il y a d'autres gestes qui sont des gestes de créateurs. Il y a des musiciens qui eux-mêmes font leur piste pour faire danser les gens. Il y a des musiciens qui eux-mêmes écrivent leur musique. Et c'est vraiment ça l'acte du musicien créateur. C'est la grosse différence entre celui qui interprète une partition ou une pièce déjà existante et celui qui la crée. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions. Alors, on a bien compris, si je peux résumer ainsi, mais tu vas peut-être me corriger, l'idée de la fédération, c'est d'une certaine façon d'alerter les publics par rapport à la situation que vous vivez et également de questionner les politiques et les institutions concernant la situation et notamment la disparité que l'on constate entre les diverses entités. Est-ce que je résume bien ? Oui, tout à fait. Alors,
Dis-moi un petit peu quels sont d'ores et déjà, alors je sais que la fédération est très jeune, hein, elle est très récente, mais y a-t-il déjà, parce que tu as dit au début que déjà plus d'une centaine de personnes physiques ou morales vous ont rejoint. Oui, surtout physique d'ailleurs. D'accord, c'est-à-dire que ça a immédiatement, et c'est normal, ça a remporté un grand succès parmi les autrices et les auteurs. Oui. Alors, qu'en est-il des retours concernant les institutions et les publics? Est-ce que là, d'ores et déjà, vous avez, comment dire, vous recensez d'une certaine manière un petit peu et vous sentez des retours positifs des personnes avec lesquelles vous allez pouvoir interagir? Oui, alors on ressent tout à fait des retours positifs. Je pense que les gens réalisent bien que, au même titre que les plasticiens ou que les auteurs de textes, par exemple, enfin que les écrivains, on est vraiment dans les parents pauvres de la culture. Donc c'est de notoriété publique. Et donc après, bon ben après c'est comme partout, hein. C'est un peu un rapport de force. C'est clair, quand il s'agit de dire nous, on est là, on existe, il faut qu'on soit soutenu. Donc après, bon, bah, ça sera aussi un espèce de rapport de force, en tout cas verbal, pour voir s'il y a une redistribution des budgets qui peut se faire. Bon, c'est un peu délicat d'en parler maintenant, en pleine période de Covid, où c'est vraiment la débandade. Et en même temps, c'est aussi paradoxalement le bon moment pour en parler, parce que ce qu'on a réalisé, c'est que autant les salariés. Les professionnels des arts de la scène salariés, je pense particulier à pas mal de gens qui sont dans le théâtre ou dans la danse ou dans le cinéma, autant pour eux, il va y avoir pas mal de soutien et puis toute une sorte de dispositif mis en place, autant pour pas mal de nos membres qui sont justement en même temps professionnels. Mais qui gagnent des sommes trop ridicules, donc ça s'apparente plus parfois à des défraiements. Ça va être beaucoup plus difficile de pouvoir bénéficier de soutien aussi dans cette période difficile qui met en fait en exergue l'extrême fragilité de nos milieux. Oui, on peut dire que cette crise sanitaire, hein, du Covid-19, eh bien, d'une certaine manière, révèle une situation qui, de toute façon, était déjà de précarité et de grande fragilité. Et là, effectivement, ça la révèle plein pot. Parfaitement. Alors justement, y a-t-il des actions que vous menez d'ores et déjà concernant, eh bien, la situation, la crise que l'on traverse? Il y a, je crois, notamment une pétition. Toujours sur le site de la fédération, vous pouvez trouver dans Action Covid-19 déjà simplement des indications sur la manière de prétendre une allocation perte de gain au chômage pour les ça c'est pour les salariés pour les indépendants et eh bien une RHT possible, ça c'est plutôt pour les institutions, mais donc pour les indépendants, une indemnité perte de gain aussi. Il y a différents, voilà, on essaye de faire en sorte, dans l'immédiat, en ce qui concerne le Covid-19 et cette situation, de pouvoir permettre à nos membres et aux musiciennes, aux musiciens de manière générale de s'y retrouver, quoi. Ouais. Alors, on le rappelle, le site internet, c'est www.musique au pluriel, donc musique de création, trait d'union, ge.ch. On peut également vous trouver sur les réseaux sociaux. Voilà, ouais, sur Facebook, ouais. Oui, ça c'est nouveau. Donc les réseaux sociaux, il n'y a pas tout à fait les mêmes informations. Ça c'est là, tout le monde peut nous suivre sur les réseaux sociaux. Par contre, la qualité de membre actif est quand même réservée à des gens qui ont fait comme choix de vivre de leur musique, ou en tout cas d'essayer, ou de survivre, en fait, soyons un peu réalistes. Et les critères d'admissibilité par rapport à la qualité de membre actif, ce sont soit des gens qui sont de facto, bah, qui tournent partout sur la planète, qui sont aussi reconnus par leur père, et aussi qui ont suivi un cursus donc professionnel de musique dans les domaines de la création, ou qui, par exemple, ont pu suivre un cursus classique, mais ensuite se sont intéressés donc à devenir eux-mêmes des créateurs. Qui est hyper important, c'est qu'une manière de faire vivre le terreau local, c'est un investissement, c'est du temps à passer, à se rencontrer, à échanger et à simplement se soutenir, faire passer l'information. Puis pour faire passer l'information, les réseaux sociaux, c'est une manière, mais c'est peut-être trop volatile. Et donc,
c'est vrai qu'il faut, à notre sens, se recentrer sur la fédération. Devenir membre, c'est important parce que c'est un geste qui a du sens, parce qu'il permet d'avoir une action concrète et physique. C'est pas juste un clic sur Internet. Ça, c'est aussi, ça fait partie de la démarche de la fédération, de ce type de geste-là. Tout à fait. Alors, arrêtons-nous un petit peu justement sur la notion de membre à la fédération. Eh bien, là aussi, hein, sur le site Internet, eh bien, il y a des onglets. Il y a l'onglet COVID-19, comme on l'a dit, hein, c'est sous action, où là, on trouve eh bien, notamment la pétition, mais aussi les formulaires et des informations. Sous l'onglet devenir membre, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a différentes possibilités. On peut, en tant que personne physique et en tant que personne morale, devenir un membre actif ou alors un membre de soutien. Voudriez-vous nous décrire un petit peu quelles sont justement les notions pour chacune de ces statuts? Donc, membre actif, c'est clairement la musicienne, le musicien qui vit ou essaie de vivre de sa création. Donc, on a un panel très large. On a des gens qui ont 20 ans, d'autres en ont 70, des gens qui font des musiques plutôt pop, d'autres plutôt de jazz, de la musique improvisée, certains qui sont issus du classique, d'autres qui sont issus des scènes électroniques. Donc, il y a vraiment un panel très large. Ce qu'on n'a pas encore beaucoup, mais on va l'avoir gentiment, c'est aussi le milieu du hip-hop. Mais on est aussi un peu en contact avec les personnes du milieu du hip-hop qui sont en train qui en vivent, donc sur Genève. Donc, on est encore au début. Ensuite, dans les personnes morales, par exemple, il y a l'AMR qui est membre de la fédération. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on a fait le choix de centrer la fédération sur l'artiste lui-même. Donc l'AMR, qui contient quand même genre 870 membres, a une voix comme celle de Raphaël ou la mienne, par exemple, au sein des assemblées générales. Donc, parce que nous sommes constitués en association, ça faut le dire aussi. Et il n'y a pas seulement l'AMR, il y a aussi le collectif Intusub, l'association Sémaphore et encore d'autres structures qui nous ont rejoints. Donc, ce sont des structures qui soutiennent vraiment activement les musiciens locaux. Par exemple, dans le contrat de conventionnement qui lie l'AMR à la collectivité publique, en l'occurrence à la ville, il est précisé que l'association doit programmer 60% de musiciens locaux. Donc, les musiciens locaux, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Chaque année, il y a quand même une centaine de personnes qui sortent en Suisse des cursus haute école de musique de création, c'est-à-dire soit de jazz, soit de musique actuelle. Ce terreau-là aussi est un terreau qui gagne beaucoup de prix. Donc, les trois quarts des prix suisses de musique qui ont été attribués à Genève ont été attribués à des membres de notre fédération. Donc c'est vraiment... on voit que ce sont vraiment donc, les musiciens professionnels. Les personnes qui veulent nous soutenir, ça peut être des associations ou des structures qui soutiennent nos buts, mais qui, pour des raisons X ou Y, n'ont pas les critères suffisants pour devenir membre actif, soit par exemple parce qu'ils ne sont pas sur le Grand Genève, dirons-nous. Et la même chose pour les personnes... tous les membres de soutien, que ce soit personne physique ou morale, donc ça peut être aussi des musiciens qui ne sont pas professionnels, mais qui justement sont aussi parfois pas professionnels, parce que c'est trop dur de vivre de l'activité de musicien et qui soutiennent notre combat parce qu'ils les trouvent légitimes. D'accord, donc on peut clairement inviter et encourager les artistes de la scène locale à devenir des membres ouais, physiques de l'association. Ouais. Oui, bien sûr. Centrés, voilà, parce qu'on artiste, c'est un terme. Là, quand même, notre fédération est reliée à une activité de musique. Tout à fait. On peut, par contre, rajouter, je ne sais pas si c'est une question suivante, c'est que nous faisons partie de la FRAGJ, donc de la Fédération Réseau Artistique et Culturel de Genève, qui est l'espèce de... qui vient de se créer, alors qui est encore plus jeune, qui est une fêtière des artistes, là, par contre, donc dont la présidente est Fabienne Abramovic, et dans laquelle il y a, pour le côté plasticien, donc l'association Le Garage, que vous connaissez peut-être, qui est ce regroupement qui revendique aussi le fait que les plasticiens soient rémunérés quand ils font des expositions dans les espaces d'art soutenus par la collectivité publique. Il y a aussi l'IRP Danse, donc Rencontre Professionnelle Danse, qui existe depuis pas mal d'années,
qui regroupe donc les compagnies et chorégraphes de danse sur Genève. Dans cette Fédération des réseaux artistiques et culturels de Genève, on retrouve aussi l'AREPA, donc l'association des petits producteurs, enfin, des producteurs indépendants de cinéma. Et puis, il y a aussi Action Intermittence, donc, que tout le monde connaît, qui est donc ce réseau-là qui existe depuis pas mal de temps et qui soutient donc, l'intermittence au niveau de tous les arts de la scène, mais principalement l'intermittence des gens du théâtre et du cinéma, parce que pour le moment, c'est à peu près qu'eux qui peuvent obtenir l'intermittence. Il y a aussi les compagnies indépendantes, enfin les compagnies de théâtre qui sont en train de se regrouper pour rejoindre cette fêtière d'artistes. Eh bien, c'est très bien. On voit qu'il y a un maillage qui s'opère et qui va certainement créer des convergences et des interactions. On ne peut que saluer tout cela. Alors, on va doucement arriver au terme de cet entretien. J'aimerais encore vous questionner deux petites minutes sur la chose suivante. Est-ce que si je vous dis que du point de vue extérieur, eh bien, vous pourriez être pour moi à mi-chemin entre un syndicat et un lobby, est-ce que vous démentez ou est-ce que vous confirmez ? Ouais, non, moi je me sens assez bien avec cette image-là. Je pense une manière de s'investir, c'est bouger, c'est faire un geste, c'est faire une action, c'est faire quelque chose. Alors si ça c'est être militant, eh bien alors oui, alors je pense qu'on l'est clairement. Maintenant, un syndicat, alors protéger les intérêts de nos membres et protéger les intérêts de nos idées, je crois que c'est un minimum. Quand on veut faire un geste, il faut qu'il soit réfléchi, il faut qu'il soit motivé et par le plus grand nombre. Tout ça, c'est un travail qui a du sens, un travail qui est réel. Donc, je pense que c'est une manière d'être syndicaliste, ouais, pourquoi pas. En tout cas, je ne sais pas si Béa partage cette idée, parce qu'en même temps, tu vois, on en discute en fait de tout ça, et puis les choses évoluent et avancent avec les terminologies les plus actuelles. On essaye de faire des actions en lien avec les questions de notre temps. En tout cas, on est un groupement d'intérêt, donc syndicat, oui et non, pas encore. Donc, le syndicat suisse roman du spectacle, qui répond, soit dit au passant, à toutes les interrogations que pourraient avoir, y compris des gens qui ne sont pas membres. Et je tiens à remercier Anne Papillot, donc, qui elle, est sur Lausanne, pour tout le soutien aussi qu'elle accorde aux musiciens et musiciens de création. Donc, c'est pas parce qu'on n'est pas une grosse structure ou une grosse compagnie qu'on peut pas téléphoner quand on a une question précise. Et par rapport à toute cette question Covid aussi, il faut dire que le site qui a été mis sur pied par le syndicat suisse roman du spectacle est vraiment très très bien fait. Sinon, effectivement, à Genève, on fait partie, ben là, en l'occurrence, moi, je fais partie d'une petite task force qui a été mise sur place par le canton de Genève par rapport à toutes les mesures à prendre et les informations à mettre sur pied pour les acteurs culturels par rapport aux mesures Covid-19. Oui, on n'est pas un syndicat dans la mesure où, voilà, mais on fait un peu de travail de syndicalisme et de militance, tout à fait. Et puis, pour en revenir à ce qu'on disait sur Facebook et les clics assez faciles qu'on peut faire, qui dit avec le pouce levé bleu qu'on adhère, ben ça c'est pas la même démarche. Et une manière de continuer à faire, à permettre à certains ou certaines de créer des sites internet qui permettent, sur lesquels on peut avoir des informations nécessaires pour aider le plus grand nombre, eh bien, ces gens-là, ils vivent de, pas de clics, mais de nos adhésions. Quand on adhère, eh ben, on donne peut-être 30, 50 francs, 100 francs par année pour une structure qui, au final, peut nous aider et très clairement nous aider dans certaines démarches. Et ça, c'est hyper important de le rappeler. Eh bien, je vous remercie beaucoup tous les deux. Pour en terminer, la Fédération Genevoise des musiques de création, eh bien, avez-vous un calendrier ? Quelles sont les actions à venir, même si effectivement nous traversons une période qui est compliquée, qui est pour le moins délicate ? Alors, y a-t-il tout de même un calendrier que vous aimeriez énoncer ? Premier volet de la question. Le deuxième volet, c'est est-ce que, eh bien, des personnes pourraient vous solliciter ? Et puis, de quelle manière pourraient-elles se solidariser ? Peut-être en vous donnant la parole, peut-être en assurant une visibilité supplémentaire. Dites-nous.
Alors, il y a aussi, je réalise qu'il y a un sujet, donc un dossier sur lequel on est en train de travailler, dont on n'a pas du tout parlé, c'est ce projet de Cité de la musique, donc, Effectivement. qui pour nous est un projet tout à fait problématique à plein de niveaux. Donc, on est effectivement en train de suivre de très près cette affaire. Le conseil municipal a reçu, en tout cas, mis. Comment on dit, doit s'occuper du PLQ, donc plan localisé de quartier. Donc nous, on suit vraiment ça de très près parce que voilà. Alors, en quelques mots, il faudrait peut-être dire que donc la Cité de la musique est un projet qui se tiendrait dans le quartier des Nations, si je ne me trompe pas, et dont le budget est tout à fait important. Non, alors le budget, c'est pas vraiment le budget. Donc au niveau de la construction, D'accord. a priori, c'est une fondation privée dont on a le nom, mais que tout le monde connaît, qui va payer en majorité donc Financier, ouais. la construction. La grande question, c'est plutôt au niveau des fonds de fonctionnement. Voilà. Le canton a déjà toutes les peines du monde à prendre sa place dans ce qui devrait être son rôle, et d'autant plus une fois que l'initiative 167 a été votée par le peuple, c'est-à-dire d'être un peu d'investir de l'argent dans la culture, hein, parce que pour le moment l'argent investi est quasi exclusivement, enfin pas exclusivement, mais c'est vraiment le 80% de l'argent investi pour la culture dans Genève est le fait de la ville de Genève, donc ça faut quand même le rappeler. Donc là, effectivement, on suit le dossier de la fête de la musique, non pas de la fête de la musique, pardon, De la Cité de la ça musique. de la Cité de la musique. On suit le dossier Covid, on essaye d'aller voir tous les partis politiques, on essaye de défendre effectivement les intérêts de nos membres et de dire qu'on est là. Soit dit en passant, la qualité de membres, on a fait exprès de mettre des cotisations vraiment très tout à fait modestes. Donc, les membres actifs payent 20 francs par année, tout notre travail est bénévole, on n'a pas de secrétariat ou quelque chose. Donc c'est vraiment de la militance. Et puis au niveau, on a donc toujours sur le site, sous la rubrique contact, vous avez soit l'adresse mail pour nous contacter, soit par téléphone également. Et bien évidemment qu'on aiguille les personnes qui ont besoin d'aide et de renseignements sur les différentes structures ou vers les différentes structures qui peuvent répondre à leurs questions. Alors. Bien évidemment, c'est à ça que servent ces numéros de téléphone et ces adresses mail. Un dernier appel à lancer, si ce n'est de se tenir en alerte, d'aller sur le site internet. Nous, on a nos idées à nous, on a notre manière d'avancer, mais les informations, toute information sont la bienvenue. Et il ne faut pas hésiter aussi éventuellement à nous contacter pour nous donner les infos de l'avancée de certains dossiers auxquels on n'aurait pas fait attention. Ah oui, on va faire encore, on a dû le suspendre, je tiens. On a pris des groupes de travail, on a fait aussi un groupe de travail sur le statut du musicien. Et on aurait dû avoir une réunion donc le 4 avril avec Marc Pernot. Marc Pernot et Mathias Gauthier. Marc Pernot vient de sortir un livre sur Lausanne, il a fait toute une étude de nos pratiques artistiques et surtout de quoi on vit et tout, donc vraiment un gros livre qui vient de sortir. Et donc nous, vraiment, on va se battre aussi pour qu'il y ait un statut, pour que les musiciens, justement, puissent vivre de ça. On a vu que le revenu moyen des membres de notre fédération est ridiculement bas, c'est genre 2000 francs par mois. Donc là, on parle de musiciens et de musiciennes qui tournent vraiment beaucoup. Donc là, définitivement, il y a un gros travail à faire là-dessus, sur la reconnaissance de nos pratiques artistiques et la valorisation donc de celles-ci. Et on peut donc souhaiter que lorsque l'on aura quitté cette période de crise, eh bien, des médias mainstream s'inquiètent et puis vous questionnent par rapport à cela et qu'ils vous donnent justement une visibilité encore supérieure. Ouais, moi j'ai eu le plaisir d'entendre sur les Monts Bleus lors du grand débat certains acteurs politiques commencer à parler de la manière dont j'aurais toujours souhaité qu'ils en parlent. Moi j'ai l'impression qu'au niveau politique, il y a déjà un début de conscience plus précise de ce qu'est la culture dans le cadre des musiques de création et de ce que ça peut apporter. À une ville, à un canton et à un pays, et de manière générale, à une société. Très bien. Alors, on s'arrête là pour aujourd'hui? Oui, alors juste, puis si on parle politique encore, juste encore Oui, la FRAC, on va pas donc, a s'arrêter. soumis à la question les candidats
au conseil administratif. Et sur le site de la FRAC, donc du Fédération du Réseau Artistique et Culturel de Genève, donc on peut voir tous les candidats, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Après, je pense qu'il y aura peut-être que... Enfin, il faudra voir comment ça se passe. Qui répondent donc à des questions qui leur ont été posées par rapport à leur soutien à la culture. Ce qu'on peut dire, c'est que la FRAGE, on réalise que les professionnels des autres champs d'activité artistique, que ce soit danse, théâtre ou cinéma, en fait, il y a vraiment, la, ou surtout aussi art, la grosse demande, c'est d'augmenter les fonds ponctuels pour la création, parce que c'est vraiment là qu'un maximum d'entre nous, quelle que soit notre pratique artistique, émerge, et que c'est important que ceci soit correctement doté. En dernier petit mot, est-ce que, puisqu'on a parlé un petit peu de différentes entités, est-ce que également parmi vos pairs, vous comptez une autre fêtière qui est PEDZI, la fêtière des clubs de rock? PEDZI, c'est effectivement la fêtière des clubs, mais quand même beaucoup de leurs préoccupations sont aussi les nôtres. Mmh. Donc, on voit que les soutiens aux organisateurs de concerts, donc ça, c'était une de nos revendications, sont vraiment aussi ridiculement bas. Et c'est que c'est aussi pour ça que, donc, pas mal de fois, ils peuvent nous proposer des cachets qui sont malheureusement pas à la hauteur. Donc, c'est, pour nous, c'est important, effectivement. C'est main dans la main aussi avec les organisateurs qui défendent nos pratiques artistiques. Et main dans la main pour revendiquer le fait qu'il doit y avoir des budgets supplémentaires alloués à ce type-là de pratiques artistiques. www.musiquedecreation-ge.ch, musique au pluriel, c'est le site internet de la Fédération Genevoise des Musiques de Création. Sur le site internet, eh bien, il y a plein les onglets de contact, le manifeste, etc. Merci beaucoup Raphaël Ortiz, qui est membre du comité. Merci beaucoup Béatrice Graff, qui en est la présidente. Eh bien, que puis-je vous souhaiter? Courage pour la suite des opérations. Merci. À vous aussi. Merci.